qui c'est qui a craqué son slip et qui a acheté plein, 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 plein de maquillage. Enfin, plein. Tout est relatif, mais quand même pas mal. C'est Bibi! Hello tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, dans un nouveau décor, ça y est, j'ai installé mon petit endroit rien qu'à moi pour faire mes petits tutos et mes petites vidéos. Parce que j'en avais marre de toujours tout déplacer dans mes petites pièces, enfin bref. Donc voilà, je vous ai fait une photo récemment sur mon Instagram d'un make-up avec mes nouveaux produits que j'avais achetés en supermarché. C'était un espèce de crash test. Voilà. Et du coup, je ne l'avais pas filmé par contre, mais je vous avais fait, parce que j'ai envie de tester, je vous ai fait du coup un petit sondage, je vous ai demandé si vous étiez intéressé ou pas par le tuto, j'ai eu pas mal de réponses positives, donc bah, écoutez, ma foi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc là je suis tout content parce que j'ai tout mon petit espace à moi, je vais vachement moins galérer, il y a moins de choses qui vont tomber, normalement, hein. Voilà, mais écoutez, c'est parti, alors je vais tout faire avec vous, enfin presque, hein, hors caméra, mais au fur et à mesure, vous verrez les avancées. Donc là, je vais commencer tout simplement par mon teint, parce que là, il faut, il n'y a rien qui est fait. En plus, je sais pas si vous voyez, j'ai un copain là qui vient d'arriver. Voilà. Donc, du coup, magie, hein, le teint arrive maintenant. Une bonne chose de faite. Donc, là, j'ai fait mon teint avec le Born This Way, hein, toujours, hein, mon chouchou. Enfin, mon chouchou. Soit c'est celui-ci, soit c'est la CC Crème, vous le savez maintenant, hein. Mais je pense un peu changer parce que, vous savez quoi, le Born This Way, je trouve que mon teint a vraiment évolué. Je le trouve un peu trop chaud sur moi. Je préfère quelque chose d'un petit peu plus clair, un peu plus lumineux. Après, ça rend à la caméra, en tout cas, il rend un petit peu plus doré. En vrai, ça va franchement mieux. Donc, c'est toujours le light beige, hein. Et donc, du coup, je m'arrête à là avant de faire mon contour parce que j'ai acheté un nouveau produit, hein, que je vais tester avec vous. Enfin, tester avec vous. J'ai déjà testé, j'ai déjà mon avis, mais on va en parler ensemble. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est le Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer en teinte Ivory 05 de chez Maybelline. Donc, du coup, je l'applique, hein, et je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà une chose de faite, je l'ai appliqué. Donc la première fois que je l'ai appliqué, quand je l'ai testé, je l'avais appliqué avec mon petit pinceau multitâche qui est quelque part par là. Celui-ci, donc le Spectrum 05, que j'aime beaucoup utiliser avec mes autres anti-cernes, que ce soit le Born This Way ou ma palette Essence, hein, que j'utilise beaucoup. Concrètement, celui-ci s'applique beaucoup mieux au Beauty Blender. Alors, ce que j'aime, il donne une belle luminosité, sincèrement. Il est très, 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 très fin sur la peau. Hein. Je m'approche de vous, n'est-ce pas? Il est très, très fin sur la peau, donc ça, c'est plutôt agréable. Par contre, full coverage, faut le dire vite et sans respirer. Hein. Parce que full coverage, non. J'en mets déjà beaucoup plus que ce que je mets, par exemple, avec le Born This Way ou même le Essence. J'ai pas plus de couverture, sincèrement. Par contre, vraiment un effet très. Très, enfin, très fin sur la peau, franchement quasiment pas d'effet matière, ce qui est plutôt appréciable pour moi, parce qu'étant donné que j'ai des petites ridules, hein, trentaine avance, enfin la trentaine dépassée, pas avancée mais dépassée, j'aime bien parce que du coup ça crée pas un effet trop matière, hein, donc voilà. Écoutez, je fais le reste de mon, parce que là du coup j'ai pas de nouveaux produits à vous montrer pour ça, je fais le reste de mon contouring comme d'habitude, je fais mes sourcils et je reviens vers vous pour les yeux. On va passer du coup à l'essentiel aujourd'hui, aux yeux. Donc j'ai essentiellement acheté des produits yeux aujourd'hui. Yeux, œil, ce que vous voulez. Donc j'ai pris ce crayon-là. Donc je sais pas si vous percevrez bien la couleur. Donc c'est un vert assez foncé. Hein, un vert légèrement bleuté comme ça qui est très 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 joli. Alors j'espère que la caméra lui rendra justice. J'ai acheté un crayon beige que je n'utiliserai pas aujourd'hui, mais ça sert toujours pour la muqueuse intérieure, j'en avais plus, donc voilà, il fallait. J'ai acheté le Maybelline Hyper Precision All Day Matte, donc le liner donc en feutre. J'ai aussi acheté, ça c'est pas ça, et qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté un crayon noir, crayon oriental Express Eyes Black. Voilà, ça, et ça. Et du coup, le mascara aussi. N'oublions pas le mascara. Donc j'ai acheté celui-ci, donc le Extra Super Lash de Rimmel. Donc en moyenne, ça a coûté 10 euros. Les crayons en moyenne, c'était entre 7 et 9 euros. Hormis le crayon noir de Maybelline, hein, donc celui-ci, qui m'avait coûté 4,90 euros.
Moi qui suis habitué à chercher mon make-up en Allemagne où les taxes ne sont pas du tout pareilles, je peux vous dire que ça fait bizarre quand vous vous rendez compte des prix en France. Hein. Mais bon, ma foi, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. J'ai pas encore poudré mon teint, j'ai oublié de faire ça. Je fais ça hors caméra et comme d'habitude, je prends toujours la poudre Fit Me et je reviens vers vous. Hein. Maintenant que tout est fait, on va passer au maquillage des yeux. Alors, ce que je peux dire aussi du super, super style là de. Ouais, c'est ça, super style de Maybelline, c'est qu'il faut le poudrer très très vite et il a tendance un petit peu à sécher le contour de l'œil. Alors, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est un produit que je vais utiliser sincèrement parce qu'il illumine bien. Peut-être pas forcément pour le contour des yeux. Je verrai comment il se comporte, là, le temps du maquillage, mais voilà. Bref, passons à l'essentiel, hein, on est là pour ça. Je me suis rapproché de vous. You close to me. Voilà. Moment de solitude quand t'essayes de parler anglais, hein? Donc du coup, comme d'habitude, je pose ma base à paupières quand j'appliquerai les produits. Alors oui, ma base à paupières. Voilà, quand j'appliquerai les produits, concrètement, je vais un petit peu avancer, hein, souvent, hein, au moment de l'estompage et tout ça, parce que c'est pas folichon. Mais par contre, je mettrai en avance rapide, tout simplement pour que vous voyez les gestes, hein, que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Parce que voilà, d'estomper, ça prend du temps, contrairement à ce qu'on peut essayer de vous faire croire des fois, ça prend du temps. Donc en arcade, enfin sous l'arcade, toujours mon petit beige, celui-ci, du coup, de la palette Nude 2 de Bis. Voilà, donc ça c'est fait. Donc comme toujours, hein, c'est pour vraiment faciliter le floutage des couleurs. Alors, je vous fais quasiment le même maquillage que je vous ai mis en photo, que je vous ai montré, que je vous montre par là en fait. Voilà, là, ici, il sera là, je pense. Que vous avez bien aimé. Je vais juste un petit peu l'upgrader, hein, parce qu'il y a deux, trois petits trucs que je pense que je peux un petit peu améliorer. Donc, du coup, des coups. En couleur de transition, toujours de cette petite palette que vous pouvez trouver sur le site Birchbox, hein, la palette Fur, que j'aime beaucoup. Ensuite, pour intensifier, une fois que j'ai fait mon creux de paupière, je prends cette couleur-ci, hein, pour continuer à travailler, ben, mon creux de paupière. Voilà, ça c'est une chose de faite. Ensuite, je veux quand même quelque chose d'intense, hein, donc du coup, je vais mettre un petit peu de noir sur le coin externe, hein, du coup, de mon œil. Avec un petit pinceau comme ceci. Et alors quand on applique le noir, hein, c'est très important, toujours on tapote d'abord la matière avant d'essayer d'estomper, sinon on crée des chutes de partout. Et si on fait son teint avant comme moi, c'est une catastrophe. Si on le fait après, ça peut être arrangeable, mais on évite. Voilà, une fois que ça c'est fait, bah, je vais passer à ma couleur principale. Donc pour ce faire, j'ai choisi, je garde la même que celle que je vous ai faite en photo. Donc c'est celle-ci. Je crois que vous parvenez à mieux la voir. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc du coup j'ai changé de décor, j'ai un peu upgradé mes lumières, tout ça, voilà quoi. Je suis content aujourd'hui, vraiment. Donc du coup, cette petite couleur-là, voilà, que je vais appliquer avec un pinceau plat pour le coup. Et où je vais vraiment déposer, hein, la matière pour le coup, hein, parce que sinon ça crée vraiment beaucoup de chutes, on a des paillettes de partout, c'est dégueulasse, et voilà, on évite quoi, hein, c'est pas top. Alors, une fois que j'ai appliqué cette couleur-là, bien sûr, je vais l'estomper toujours avec mon pinceau estompeur que j'ai bien essuyé avant, hein. Alors, je ne fais pas partie de la team 50 000 pinceaux, alors oui, bien sûr, j'en ai quelques-uns, mais sincèrement, à un moment donné, hein. Sinon, je passe mes soirées à les nettoyer, hein, si on veut le faire correctement. Donc, pinceau estompeur, je prends un tout petit peu de matière de ce violet quand même, parce que pour le coup, voilà, il m'en faut. Et vraiment, je travaille mon creux de paupière, parce que je veux vraiment que le violet apparaisse. Enfin, le violet, c'est un métallique, je ne sais pas si vous parvenez à le voir correctement, si je pense que si, lumière oblige. Donc, c'est vraiment un métallique légèrement violacé, hein. Donc, j'estompe et je reviens vers vous. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, là je vais passer à mon liner. Je m'occuperai de la zone inférieure de mon œil après. Donc, j'ai pris donc du coup le Hyper Precise All Day Matte de Maybelline. Alors, concrètement, oui, précis certes, mais il a franchement du mal à marquer sur
quand vous avez mis votre fard à paupières déjà et tout, donc je trouve que c'est un petit peu dommage, sincèrement. Il est pas mauvais, mais sur un fard à paupières irisé, en tout cas, il a un petit peu du mal. Donc j'applique ça et je reviens vers vous. Je fais vraiment un léger ras de cils, je vais pas faire quelque chose de trop étiré pour le coup, hein. Voilà une chose de faite, j'ai mis mon liner, donc comme vous voyez j'ai fait vraiment un ras de cils très 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 fin et j'ai juste légèrement étiré ma queue sur le coin externe pour vraiment avoir cet effet un petit peu plus sympa parce que j'aime bien cette forme là, voilà tout simplement, et que j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui vu qu'on teste des produits. Alors concrètement, ouais franchement il est la pointe elle est vraie, alors elle est fine certes mais elle est pas assez souple. Alors je préfère les pinceaux concrètement et du coup c'est moins ma came, sincèrement c'est moins ma came. Après il fait le taf, hein, franchement il fait un travail hyper précis, il n'y a pas de problème. Mais niveau application, alors si on aime les stylos je pense qu'on peut aimer effectivement, si on aime les choses très 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 très, très fines, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être un peu énervant au bout d'un moment. Donc du coup je continue avec mon noir bien sûr, je vais appliquer mon crayon noir en muqueuse supérieure et je reviens vers vous parce que j'ai toujours une tête d'abruti quand je fais ça va pas changer. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, vu que je vais mettre un crayon différent dans ma muqueuse inférieure, alors d'habitude j'aurais peut-être mis un beige, mais là j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez intense, et puis j'ai pas fait ça sur la photo de la dernière fois, donc je vais respecter un petit peu ce que j'ai fait, bien que j'ai déjà un petit peu modifié la forme, parce que ben, on fait toujours mieux, hein. Alors bien sûr, on fait gaffe, une fois qu'on a appliqué le noir, moi je vous conseille de mettre le noir en premier, parce que ben, il va forcément un petit peu transférer sur le bas. Donc une fois que ça c'est fait, que vous l'avez appliqué, n'hésitez pas à bien nettoyer votre muqueuse inférieure du coup, hein, c'est important. Voilà. Ensuite, du coup, hein, pour continuer ce petit make-up sympathique, je vais appliquer en muqueuse inférieure donc ce petit verre-là. Vous voyez. Voilà, je me rapproche de vous. Donc vraiment. Alors celui-ci. C'est l'une des plus grosses réussites de mon shopping make-up. Je l'aime énormément. Je l'aime énormément. C'est un beau vert intense. Je le trouve vraiment très très joli. Voilà. Alors il est intense par contre. Il est foncé. Hein, mais il fait vraiment un effet buff quoi. Hein. J'aime beaucoup. Et donc du coup, une fois que j'ai mis en muqueuse intérieure, je vais dépasser sur mon ras de cils avec le crayon qu'après je vais fumer. Donc là, pareil, j'avance, hein, parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est le type de crayon, par contre, qui sont des liners. Alors celui-ci, hein, c'est le Tattoo Liner de Maybelline New York, qui sèche extrêmement vite. Hein. Donc dès que vous l'avez appliqué, il faut tout de suite le travailler, sinon on n'en fait plus grand-chose. Hein. Donc moi, je continue un petit peu encore. Hein. Je fais la petite pause explication. Je veux juste un tout petit peu étirer un peu plus ici, s'il veut bien encore. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends à nouveau ma couleur de transition que j'ai utilisée en haut, hein, sur mon œil supérieur, enfin sur ma paupière supérieure, pour fumer ce que j'ai fait là en bas. Donc je prends celle-ci, hein, la plus claire. J'ai pas envie de trop trop foncer non plus mon dessous d'œil avec un pinceau estompeur à nouveau et j'y vais. Voilà, une fois que ceci est fait, hein, on n'hésite pas vraiment à bien s'observer de loin, à regarder là où les ombres, où ça match ou pas. Bon, là, en l'occurrence, je trouve ça plutôt pas mal, donc j'ai pas besoin de vraiment retoucher. Je vais juste un tout petit peu continuer à flouter vraiment avec un pinceau propre pour le coup, pour voilà, vraiment avoir un effet de fumage impeccable et un effet de dégradé impeccable. Une fois qu'on a fait ça, du coup, moi, je vais passer à mes points de lumière au niveau du regard. Hein. N'est-ce pas? Donc du coup pour ce faire je vais prendre ma petite palette Maybelline, la Total Temptation que j'aime beaucoup pour les couleurs pailletées, hein. Pour le reste non, tout ce qui est mat et tout ça je déteste. Et ben, vous voyez là j'ai une couleur qui vient de tomber tout simplement, hein. Elle n'est jamais tombée cette palette, je vous dis franchement la qualité de cette palette laisse vraiment 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 à désirer. Hein. Je nettoie ma bêtise et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai réparé comme j'ai pu, n'est-ce pas, hein? Et du coup, je vais utiliser cette petite couleur-là, donc ce petit doré-là. Enfin, doré froid. Ouais, c'est un doré quand même, hein. Donc dans mon coin externe et légèrement sous mon arcade supérieure. Enfin, sous mon arcade. Mon arcade supérieure. J'invente des mots, ça craint.
Et j'aime beaucoup, ça donne vraiment de la lumière. Et vu que le jaune, c'est une couleur complémentaire du mauve, bah là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça, vous voyez, ça va vraiment juste donner un petit peu de lumière. Et du coup, ce que je n'avais pas fait dans la photo, mais que je vais faire aujourd'hui, parce que j'ai envie d'essayer, c'est de faire ceci. En fait, cette petite couleur-là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un mauve très très clair, mais très pailleté. Je vais un petit peu l'appliquer sur ma paupière mobile, là où j'ai déjà mis mon gris légèrement mauve, hein. J'ai envie de tester, on verra ce que ça dit, hein. Eh ben, ça apporte un petit peu de lumière, mais pas énorme, hein. Pas énorme. Hop, pas mal quand même. Je vais faire mon mascara avec vous, parce que du coup, c'est le extra lash, extra super lash de Rimmel. Donc, comme dit, c'est la deuxième fois que je l'applique. Alors, je me suis déjà fait une idée dessus, mais on va en parler ensemble en même temps que je l'applique. Donc, alors déjà, ce qui est sympa, c'est la brosse. Je suis plutôt picot en plastique, mais là, pour une fois, vous voyez, c'est une brosse en forme de cône. Alors, très très agréable pour les cils du bas. Franchement, ça, c'est top. Je la conseille à 100% pour ça. Par contre, si vous aimez les choses un peu cils très très fournis en mode ah bah j'ai fait une bêtise, il va falloir que j'enlève. En mode pâte d'araignée, non, hein, concrètement. Pour ceux qui appliquent des faux cils, ça peut être sympa pour noircir juste le cil, c'est très très bien. Parce que concrètement, alors moi j'ai des cils qui sont déjà relativement longs de base naturellement, mais pour quelqu'un qui veut épaissir le cil et le rallonger, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. Trop naturel à mon avis. Moi j'aime bien hein, parce que ça laisse vraiment le cil à cil, ça les met pas en paquet. Donc vraiment quand on veut quelque chose de naturel, on peut mettre plusieurs couches d'ailleurs pour intensifier. C'est pas mal. Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de très très dramatique, c'est pas sur ça que je le dirigerai. Mais il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Franchement il est pas mauvais. Donc j'applique ça et je reviens. Donc hors caméra, j'ai juste mis mon re-cil correctement. J'ai légèrement reprécisé mon liner coin interne parce que du coup en remettant la couleur un petit peu claire là l'espèce de violacé voilà ça a un petit peu estompé mon trait de liner donc voilà j'ai refait ça. Écoutez ma foi ben, ce tuto est fini ben, j'espère qu'il vous a plu hein. Si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si vous me découvrez n'hésitez pas à vous abonner hein, voilà. Ça me ferait très très plaisir de continuer cette aventure avec plein de monde. Voilà, écoutez, ben, j'espère que tout ça vous aura plu. Pour la plupart des produits, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Hein, voilà, comme ça sera facile pour vous de retrouver tout ça. J'ai fait un... Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est franchement quelque chose de très très simple. Il faut juste prendre le temps, estomper et tout se passera très bien. Donc voilà, ben, écoutez, je vous montre tout ça d'un petit peu plus près du coup. Voilà, écoutez, j'espère encore une fois. On va s'éloigner un petit peu, hein. Vous m'avez vu d'assez près là, je pense. Voilà, j'espère encore une fois que ce tutoriel vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent, de changer un petit peu les couleurs que je peux utiliser. On reste sur une forme étirée, on reste sur un liner fin étiré avec un petit ratine et une légère bascule. Voilà. Comme dit, au niveau des produits que j'ai achetés, je suis assez mitigé. Comme dit le Super Stay, là, je pense pas que j'en tomberai amoureux. Le liner, pareil. Il est pas mauvais, mais voilà. Après, le mascara, sincèrement, alors là, c'est la deuxième fois que j'utilise. Plus je l'utilise, plus je l'apprécie, parce que c'est vrai qu'on peut vraiment bien retravailler ses cils. On peut mettre vraiment, vous voyez. Il y a vraiment un bel effet, on peut mettre plusieurs couches sans que ça fasse des paquets, que ça fasse des. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, le crayon noir, bah, ma foi, c'est un crayon noir, il n'y a pas de souci. Et mon petit coup de cœur, quand même, c'est le total. Le tattoo liner de Maybelline, hein, cette petite couleur-là. Donc la couleur, alors je sais pas si j'arrive à vous trouver un nom. Alors je vais vous dire ça. Intense Green, le 932. Voilà. Donc la couleur c'est Intense Green 932. Que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, je la trouve très, très jolie. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais encore plein d'autres choses sur Instagram. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je vous mets le lien juste en dessous. Et voilà, et puis bah écoutez, ce sera fini pour moi aujourd'hui. À bientôt.